Quelqu'un a perdu son iPhone, si vous voulez le récupérer. Ça se passe devant la scène. Il est plus long. Et c'est parti dans cette... dans cette finale, cette grande finale, hein, qui oppose Nightmare et Kiv. On commence avec une charpentée Kiv, qui fait Malgame de l'eau, c'est qu'en fait, une autre charpentée. Waouh, ça passe dans la garde. Kiv, mais tu vois tout, qui bloque tout, qui sort le tac trap, mais ça marche pas. Il se lève, il voit de son côté, hein, avec Master, qui évidemment, qui tente la back throw lourd. Pour l'instant, avec Master, qui joue bien, c'est pas le premier objectif. Kiv, il sait pas si ça s'est terminé. Voilà. Faut qu'il en fasse 3 matchs comme ça, hein, pour remettre les compteurs à 0. Voilà, ici pour l'instant, qui a agrandi la barre de son adversaire pour avoir le crush. 3 vies chargées, qui se fait BAD. Pour John Train, qui pour l'instant, qui l'a acheté, mais encore, qui place la chambre en B, parce qu'il sait avec le sur sec, il chope tout le temps noir, parce que c'est une petite paire, donc il qui varie. Il cherche le trap, voilà, le trap. Et encore, chat pour lui, mais c'est le cinquième chop. Il a parti 8 chop pour Adioul. Et avec Master, il va bien en faire une à la porte. Et bah non. Le 3 kick qui passe la chop en B de Pira. La chop en B kill qui pour l'instant est acculé contre le mur. 3 kick, 3 kick, 1 kick, 1 kick. C'est pas de problème pour l'instant pour qui 3 kick, 3 trap. 3 trap. Il se fait rechoper par Rick Master. Kip qui bloque bien. Encore Kip qui cherche le 3 kick. Pour l'instant, il bloque tout. Il cherche les cartes, la chope de la trop. Il cherche le terrain avancé. Voilà, on arrive pas, ça va pas mal avec le terrain avancé qui prenait. Et encore, le terrain est enlevé depuis le cadeau. Et ça part en chope de bras. Et ça agresse. Kip qui remonte d'un coup dans ce route. Il déchoppe au bon moment. Il est pas coupé loin de la chope en B. Kip de Roudin. Pour l'instant, Kiv qui est bien parti pour remporter le premier match avec Master, voilà, en échoppe, l'équipe qui mange un peu de peur. Voilà, le 40 et ça va, suivi du l'autre A, oh, l'autre B, Kiv qui varie s'échappe maintenant, il cherche les joueurs, il ne finit pas. Par contre, le stick, tout de suite, les serments ramassés, les carambés, ça va pas. Ah, le 1A qui passe, il se fait choper. C'est tellement mal, on va passer le choc, on va pas les chocs de tira. Kick, qui va aller, on prend pas la tête. Un kick, un kick, un kick, 3 kicks, le main game. Évidemment, Kick, il va prendre aucun, il va prendre les kicks. Quel dommage, il mange l'autre peur. Je vais dire, et... très très bien joué de la part de Eggmaster. La distance était parfaite. Voilà, Kip, ça y est, il commence sur le 3, il prend le kick clair, il prend le coup de rythme 1. Regardez la part, j'ai mis deux coups à partir du deuxième de chop. Ah, Kip qui a raté le jump card sur la fin de cette phase. Voilà, Eggmaster qui remonte. Kip, allez, les deux sont en égalité. Eggmaster qui a. Oh, petit collègue pour son moment. À vous de pas de gagner, ma cache, ah, indécent, sur ce gagner de 5. Avec Master qui n'est pas en reste, qui essaie de tenir la route, mais Kiv qui le martyrise. Voilà, Kiv, pour l'instant, qui prend la gagne. Voilà, 6 kicks, 6 kicks, bien joué, le TC, la part de Pira, il revient dans le match, Master, qui, voilà, 3 kicks, 1 trap, encore, 3 kicks, 1 trap, 1 kick, et ça marche pas, parce que c'est un high, ça passe au-dessus, allez, il revient très bien avec Master, rigoureux, rigoureux, et la shot qui vive, qui permet une punition directe de Master, qui est super, ouh, ça s'est passé, ça s'est trop beau, presque dans le mur, et oui, évidemment, c'est une punition directe, par Master, bien joué, avec Master, 2 rounds à 0, un match partout contre Kiv. C'est du très très haut niveau sur ce calibre 5. Voilà, Kiv qui tente, voilà, sa chope s'est encore déchopée de la part de Pira, de AA. Voilà, il va essayer pas de deuxième coup pour rester safe. Le kick chargé là. Enfin, l'équipe qui cherche le counter hit. Et voilà, il trouve la chope pour A, ça va lui permettre de revenir avec une petite patte. Mad game, rechoppe en A, peut-être s'est déchopé, peut-être pas en B.
ça bloque, c'est bloqué de la part. Avec ma 3, 6, 1 au bon moment. Tu cherches au regard de Kip, c'est puni de la part du master. Voilà. Tranquillement, Kip qui prend son rôle. Toujours en difficulté dans ce deuxième match. Avec Master, sans revenir, il monte en footer, il se passe, il mange pas le tech trap. Kip qui bloque, il continue d'agresser. En footer, il se pique et c'est ralenti par l'edge. La passe, c'est quel Kip, la match trop lourd. Et ça, c'est presque garanti. La top 3, perfect, avec un rentré. Quel nightmare, il est tellement au-dessus là dans ce dernier round avec Master pour retenir un match partout. Il faut y aller là, la chope lourd en A. Voilà, ça s'est bien joué. Encore Otoji ICS, la barre, la chope en A, le manguet derrière, rechope en A, le manguet derrière, et un kick. 2-0, c'est peut-être la match finale. On encourage avec Master, faut qu'il remonte avec Master, qui va remonter dans cette grande finale, peut-être le dernier match. Avec Master, pas de coup de pic, c'est deux joueurs qui gardent leur perso. Un qui s'est dans le mur, ça va faire mal. Le petit pour le combo, avec le texte pas derrière. Le petit, le deuxième, la chope en A, le deuxième. Heureusement, c'est sauté sur cette chope, ça permet que Master de revenir un petit peu. Oh, je suis un kick. Et PNS, arrêtez cet homme, qui est un kick, à deux rounds. À deux rounds du cash price de succès numéro 5. Encore par notre mandat, et voilà, bien fini. Voilà, c'est avec Master. Allez, c'est maintenant au jeu, mec, qui sont montés avec Master. Le 6 as dans la carte, qui punit la chope par une low chope. Bien joué avec Master, qui revient. Et oui, c'est en finit avec Master, qui punit. Allez, c'est comme ça qu'il faut jouer avec. Allez, voilà, punition. Attention, pas de tech trap. Voilà, on évite la tech trap, on est dans le dos. Heureusement avec Master, c'est petit qui déchouffe encore, l'attaque c'est trop. Kip qui cherche le 6-6 à un robot, voilà, un boom partout. Avec Master qui réduit un peu. Et mène quand même le match à 0. Hein. Alors qui a ici de gagner hein. Avec Master, allez, en difficulté, il manque 2, un kick. Kip qui punit avec 1 kick. Encore le Ivari avec le 3 kick. C'est une kickman game. Mais ça suffit tellement parce que Shoken Lune, ça se joue à la frame. Et Westerling, mais Kip, un kick encore. Ça, quand même. Avec le 3 bien joué. Ça part avec Master. Avec la 2 garantie. Derrière ce launcher, Kip qui se fait remonter grâce à super bien joué de la part avec Master. Et Master, il revient dans le match. Le Nashorien, il ne démérite pas parce que croyez-moi, contre Kiv, ça n'a pas l'air simple. Aïe, 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 c'est un mauvais coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Nashéa, derrière le planté. Kiv qui nous a sorti une passe miraculeuse. Voilà, regardez, regardez comment il bouge, il couche. Il bouge, et quand il bouge, il bouge, c'est une jeune garde. En prévention, c'était osé, évidemment, ça c'est le pire. Ça c'était osé. Trois kicks en fin de trappe avec son derrière. Il mange de bébé, il mange de bébé, il bloque et il se fait pas attaquer. Il chope, il essaie d'échauffer. Et oui, ça va punir. Enfin, ça va punir. Pas trop tôt, peut-être. Il mange la chope avec Master qui est à un petit combo hein, de revenir sur Kiv. Allez, c'est la balle de match pour Kiv ou la balle de récupération. What gun hit? Pas de hit. Kip qui cherche Blockstone Trap, il agresse avec ses phrases, c'est interdit de faire ça. Allez, Kip, au bout, avec Master pour tenter de remonter, il prend la chance en A. Avec Master, voilà, c'est l'attente, il faut y aller. Kip qui bloque, Kip qui bloque, qui punit avec Kip Trap, qui est chauffé. Kip est le champion de la France 2012. Merci les mecs. Eh, hey, champion du monde, champion du monde. Tu vois, à chaque fois que je fais un gain, je gagne. Ouais.